Bonjour, bonjour et salut à tous, c'est Valmovis Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous aurez pu le marquer, comme c'est marqué, Goat Simulator. Alors, je vais être honnête, hein, j'ai déjà commencé à jouer, hein. Donc j'ai plusieurs maps. Ah, c'est écrit un peu à la GTA Vice City. Bon, ça, ici je suis déjà y allé, j'ai rien vraiment gagné. Hein. Je fais... Oh! Il y a un paquet de Doritos. Juste à côté de la poubelle. Ensuite, il y a là. Bon, le truc, c'est qu'il faut que je l'achète. Attends, c'est quoi cette façon de se battre? D'accord. Bon. Ah, y a, carrément, il y a un niveau avec des zombies, quoi. Ok. Super. Oh, la Star Wars. Ah, ok. Je vais changer. Bah, on va commencer là. On verra pour aller ailleurs. Bon, alors comme j'ai dit, j'ai déjà commencé. Donc voilà quoi, j'ai pas... Je connais le jeu, les touches, tout ça. Et pof! Direct, 50 points. Je casse la gueule, évidemment. Allez, putain. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai la chèvre classique. La chèvre avec des jetpacks. La baleine. La chèvre musicale. C'est ça, ambiance-toi ma gueule. Attends, vas-y, vas-y, approche, approche. Approche, lève-toi. Allez. Bah, c'est... J'ai... Merci, espèce de connard, hein. La chèvre à plumes, donc c'est même pas une chèvre, hein, c'est une autruche. Hein. La chèvre maléfique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ok, alors là c'est hyper malsain. Oh putain que c'est malsain. Oh que c'est malsain. C'est très très glauque. On a le manchot empereur qui va bientôt tous se casser la gueule. Voilà. On a la chèvre repoussante. Donc voilà les... Elle a de la... Ouais, de l'herbe au cul. Comme on peut le constater, l'herbe au cul. Elle a de la chair qui sort. Ok, en fait, c'est une chèvre à grande jaque, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis. Après, il y a la chèvre à ramche. Ah, t'es dégueulasse! On dirait un gros tas de muscles. Énorme. La chèvre avec les bottes réacteurs. Ok, alors c'est horrible. On a carrément ça. Œuf de chèvre. Ah non, c'est un poussin, hein. Ah, on a ça, ça c'est rigolo, ça. On cible quelqu'un et...
Et voilà, on l'a fait péter la bagnole. Ah, j'ai glissé sur mes boules. On va vous aller vous lire ce que je viens de dire. On a une chèvre avec un crâne sur la tronche. Ouais. Et qui fait tomber d'autres chèvres, si je ne me trompe pas. Super, ils sont canés. Elle vient de se péter la clavicule en tombant. Ok, alors ça, je l'ai pas. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Ça, on verra ça plus tard. Ah, ça, je sais où il est, ce truc-là. Ça, j'aimerais trop l'avoir, ce petit robot. Ouais, en gros, c'est une pierre, le bordel, quoi. Putain, chèvre, beau, et main. Oula, c'est la chèvre princesse. Chèvre du bal. Ok. Ouais, ça c'est. Et là, on a la chèvre pom-pom girl. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse, que je veux voir. C'est ça. Oh con. En fait, c'est une putain de baleine, le bordel, quoi. Ok, je suis pas sûr que c'est fait pour ça. Ah, j'ai peur. Bon, ben, on va faire. Oh, tu vas te calmer là. On va faire reset. Ouais, parce que là, il y a eu un petit problème. Ah. Un problème qui se présente plus. J'ai jamais pensé à là ici. C'est quoi ça? Bon, connard, tu vois. Moi, super, je gagne des points comme ça. Attendez, je gratte la jambe. Voilà. Et je souhaiterais visiter un peu les lieux. Si mon... Ok, bah ça se voit que c'est une autruche. Ah! Oh, la piscine. Bah, elle est vide. Bon, alors normalement, il y a des manifestants et on va leur casser la gueule. Parce que les manifestants, il y en a marre, hein. Vous allez arrêter de manifester pour l'euro, les gars. Hein. Attends, si. Le gars. Trop fort! Le gars, on dirait qu'il vient de jouir en se faisant taper dessus. D'ici. Oh. Il y a des questions à se poser. Ouais, moi je veux transformer l'euro en billet de Monopoly, ouais! Ben moi je vais vous faire danser, bande de. Même pas, tu vois. Tataratatam. Tenez, on va voir qui c'est les billets Monopoly maintenant. Ouais. On garde l'euro là-bas. Oh, du feu! Grillade! Ah, j'ai
Je suis en train de me transformer en poulet là. Poulet KFC, ma parole. Oh, j'ai vu un... Allez, hop, on va ailleurs. Voyager. Tu voyages ou quoi? Parce que si tu voyages pas, je te défonce. Bon, alors voyager, ça serait cool. On a le chef qui crache sa langue, il la récupère, c'est dégueulasse. Parce qu'en même temps, il ramasse toutes les saloperies qui traînent par terre. Bon, moi, je sais déjà ce que... Ok, je regarde pas où je vais, je me prends un poteau dans la tronche. Merci, bagnole de mes deux, là. Oh là, ça me rappelle l'ambadjar. Cette musique. Ok, alors maintenant, je sais ce que je fais. Attends, je suis dans la flotte et le truc, c'est pas... On va rejoindre les copines, les baleines. Ouais, on est dans l'eau, mais je crois qu'on est plus mort que vivant en fait. Oh putain, j'ai dû. Mais attends, c'est quoi cette baleine? Mais je suis une baleine au gaz, quoi, ou quoi? C'est bon, là, je peux mettre les pâtes à cuire là-dessus. Regarde-moi ça, c'est magique. Elle nous fait un bal! Et la championne de la danse sur tête gagne la coupe de... Ben, en fait, il n'y en a pas parce que tu vas te faire mettre. La papa papa la la pa la papa pa la la pa la la papa la pa 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 la papa. Oh putain que ça craint. Eh, c'est magnifique quand même. Ouais, bon, alors c'est hyper malsain. Rien que le bruit, c'est malsain. Oh, tu vas te calmer, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Oh! Je reprends mon autruche. Putain, alors là, c'était du malsain. On n'est pas dans un jeu d'horreur, hein? En parlant de jeu d'horreur, je vous ferai un petit let's play sur Bandits on the Ink Machine. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Merci les pignoufs! Ça dérange si je pète tout par là? Oh, je vais gagner du fric! Machine à sous. Je veux la machine à sous. Enfoiré, tu vas me laisser gagner, oui?
Ok, bah maintenant dans ce monde, c'est pas des jackpots, c'est pas de l'argent que tu gagnes en fait. C'est une grosse explosion qui va détruire tout ce que t'as fait chez toi. Voilà, c'est du style. Oh, j'ai failli mon casino. Bah, je peux le refaire, hein, je pense. Bon, merci pour avoir fêté votre casino. C'est lui, s'il n'y avait pas une attaque terroriste dans un casino, quoi. Mais bon, moi, je suis un. Oh, un dépressif. Vous savez ce qu'il faut faire avec un dépressif? Toujours voir s'il va mal. Et vu que c'est son choix, on va l'aider à mourir. Bon allez, je vais pas me tuer, je suis rentré chez moi. Et la bombe, il t'a pris un vol, mon gars. Mais attends. Putain. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars, là? Ah, de jouir, toi. Mon Dieu. Oh, c'était tellement beau. Attends, ça, je peux le faire péter, ça. Pète. Je repense à tout à l'heure, là. Oh, c'était tellement drôle. Je repense à ce moment tellement magique. C'était tellement imprévu. On t'a dit quoi là? Ta bagnole, c'est pas là. Voilà, pour la peine. Oh, le parc d'attraction. Enfin, les petits manèges pour enfants. J'ai tout pété. Moi, je suis un délinquant. Moi, je suis un. Voilà, moi, tu sais ce que je suis, moi? Je suis une autruche de banlieue, moi. Ah, ben non, je veux rien péter. Tiens, j'ai une idée, tiens. Ah, je me fais embobiner la langue. Aïe, aïe, aïe. Ah, je lâche! Mon Dieu. Attends, lui, là. Ah, mais j'ai pas... je me suis trompé de touche. Oh, un bateau! Oui, j'ai un peu. Oh là 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 là. Incroyable le truc. T'as le pire si je m'y attendais pas, quoi. Non, on va pas la faire péter la bagnole. On va éviter. Ah, le bus! Ok, je sais pourquoi je peux pas le péter. Pour venir à Goat Simulator École. À Goat École. Oh, c'est magnifique, Dimitri. Je peux voir de plus près? Mais attends. Tu fais exactement le même tableau? Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Chacun son design. Tiens.
Maintenant, tu veux crever? Là, je suis rentré dans l'école. Je suis sûr, si je tape la fille, je gagne celle du bal. Je sais qu'il y a un truc caché ici, c'est pas pour rien qu'on peut rentrer. Qu'est-ce que je disais? Dégage-toi. Allez! Ouais, il faut aller de ce sens, ok. Je comprends pourquoi je pouvais pas monter. Oups, je suis tombé. Ah mince, ok, je comprends. Il faut pas que je tombe dans les trous. Prends, je voudrais. Attends. Je prends la classique. Attention. Voilà. Ah ouais, je sais, j'ai pris la classique, mais la chaîne normale. Le truc, c'est que je veux avoir la ch le la chèvre avec sa robe. Sauf que c'est la galère. Il y a tellement de bazar aussi. J'ai une idée de ce que je vais faire. Je vais balancer ça. Oh, je l'ai! Je suis la reine. Je suis sûr que là il y a un trophée. C'est pas pour rien qu'il y a une échelle. Non, je ne sais pas en fin de compte. Ah, par contre, je peux faire péter ça. Non, c'est pas ça que je fais, hein. Alors, voyons voir. Ouais, poudre magique. Ah, je pense savoir ce qu'il faut faire, sauter sur le manche.